Bonjour à tous, c'est Jérôme. Je suis très content de vous retrouver pour cette troisième keynote du WinDeFion 26. Bonjour, c'est Manu. Vous allez voir, cet après-midi, vous allez encore vous régaler. Salut, c'est Marc. Alors aujourd'hui, on a une session qui est spécialement dédiée aux développeurs. Nouveauté des éditeurs, nouveauté du W-Langage, vous allez être comblés. Allez, on est ensemble pour 45 minutes et je vous le rappelle, c'est du live. Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite avec l'éditeur de code et le débugger. Tiens Marc, il a changé depuis hier ton environnement, non? C'est pas de thème sombre? Ouais, en fait moi j'aime bien le changement. Alors comme dans WinDev, il y a un thème clair et un thème sombre, je me suis dit que pour ce troisième jour, on pouvait varier un peu. Ok. Donc je disais, on commence tout de suite avec l'éditeur de code et le débugger. Alors vous le savez, à chaque version, ils s'enrichissent encore. Là, j'ai sélectionné 6 nouveautés incontournables à vous présenter. 6 nouveautés que vous allez utiliser tous les jours. Et la première, c'est le fil d'Ariane. Alors ça, c'est génial quand on est perdu dans le code. Ouais, ça évite de se faire choper par le Minotaur. Non Marc, ça permet de retrouver son chemin. Regarde, dans cette fenêtre, je sélectionne le bouton Envoyer. F2, je rentre dans son code. Je me place sur la procédure Envoi message. F2, je rentre dans son code. Je me place sur Construit sujet. F2, je rentre dans son code. Et vous voyez en bas de l'éditeur de code, le fil d'Ariane se construit au fur et à mesure. À tout moment, je vois où je suis dans mon code et par quel traitement je suis passé. Et surtout, je peux cliquer sur un traitement pour remonter directement dessus. Je vais revenir dans le code du bouton, je clique sur BTN envoyé, et voilà, je suis dans BTN envoyé. En fait, c'est le F2 contrôle F2 visuel. Moi, j'adore. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'éditeur de code de la 26, c'est le nouveau mode de coloration. Tiens, je vous montre. Alors ici, on utilise le thème de couleur historique. Et des fois, je trouve que ça pique un peu les yeux. Il y a trop de couleurs. Eh bien, en version 26, il y a un nouveau thème. C'est dans les options de l'éditeur de code. Ici, je choisis Dark Light. Voilà. J'applique. Le nombre de couleurs est réduit. C'est beaucoup plus sobre. Moi, ça me suffit. Non, c'est vrai que c'est plus soft. Moi, je préfère quand c'est plus complet. Eh bien, en version 26, il y en a pour tous les goûts. Moi, je remets le thème par défaut. Et voilà. Alors d'ailleurs, tant qu'on parle de coloration, je vous montre une autre nouveauté de la version 26 sur la coloration. Pour ça, j'affiche le code du projet. Alors regardez, j'ai déclaré une variable XML base et dedans, j'ai affecté une chaîne multiligne. Cette chaîne multiligne, c'est du XML. Et bien en 26, c'est nouveau, je peux demander la coloration d'une chaîne XML. C'est clic droit, coloration de la chaîne, et vous avez une nouvelle option, XML. C'est tout de suite plus lisible. Une autre nouveauté que je voulais vous montrer, c'est les nouveaux raccourcis clavier pour se déplacer et sélectionner du texte. Alors regardez, je reviens dans le traitement de la procédure construit sujet. Ici, dans ce traitement, je veux sélectionner les mots « votre commande numéro %1 ». Donc je place mon curseur avant le vôtre. J'appuie sur CTRL-SHIFT, flèche droite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La même sélection dans les anciennes versions, c'était 9 fois flèche droite. En version 26, c'est beaucoup plus confortable. On va maintenant parler du débugger et de ses nouveautés en version 26. Alors pour la première nouveauté, je laisse la parole à Manu parce que je sais qu'il l'utilise très souvent. Alors oui, cette nouveauté, c'est l'affichage de la ligne de commande dans le débugger. Cette nouveauté, elle permet de différencier le même exé quand il est lancé plusieurs fois avec des lignes de commande différentes. Je vous montre. Ici, j'ai une appli de pilotage de feu d'artifice. Alors je vais la lancer deux fois avec des lignes de commande différentes. Je lance la première, la deuxième, hop, voilà. Les deux sont lancés. Alors, on m'a signalé que celle qui pilote le feu d'artifice de l'Arc de Triomphe, elle affiche un message d'erreur quand on clique sur « Lancer le feu d'artifice ». Je veux débugger. Alors, vous le savez, le débugger de WinDev, il peut s'attacher à une application déjà lancée. C'est ici, c'est l'option « Débugger un exécutable déjà lancé ». Mais ici, il y a deux fois la même appli. Alors, comment je choisis sur laquelle je dois attacher le débugger? Eh bien, c'est nouveau. En version 26, la fenêtre du débugger affiche la ligne de commande de l'application. Comme ça, vous trouvez facilement la bonne. Ici, l'arc de triomphe, c'est celle qui a reçu le paramètre slash lieu égale arc triomphe. Alors cette nouveauté, moi je m'en sers tout le temps. Voilà à quoi elle me sert. Je suis responsable d'un serveur de mail. Dessus, il y a 6 instances du même service. Eh bien, quand je dois débugger une instance, avec cette nouveauté, je trouve tout de suite la bonne. Alors maintenant, je vais vous montrer une nouveauté du débugger. Vous ne pourrez plus vous en passer. C'est l'affichage systématique des variables pendant le débugage. Alors pour vous montrer, je débug l'application. Je clique sur le bouton, j'arrive dans le traitement. Je fais F8 pour avancer à la ligne suivante. Et regardez bien, à la fin de la ligne,
En version 26, le débugger affiche automatiquement les valeurs des variables manipulées dans la ligne. Plus besoin de survoler les variables ou de les placer dans le débugger. Vous avez l'info tout de suite, tout le temps. Attends Manu, c'est bizarre ton truc là. Dans la variable du lieu, t'as arc de triomphe. Ouais. Et en dessous, dans le code, t'as concorde en dur. Ça n'utilise pas la variable. Bah, c'est ça ton bug. Ah bah oui. Allez, je vais te le corriger, ça sera fait. Comme on vient de le voir, en version 26, l'éditeur de code et le débugger gagnent encore en confort et en ergonomie. Vos équipes vont apprécier. Le débugger et l'éditeur de code, bien, ce sont vos outils au quotidien pour produire facilement un code de qualité. En version 26, vous gagnez en productivité. On continue avec d'autres nouveautés de l'environnement. La prochaine, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est le split d'écran. Et oui, en version 26, vous organisez votre espace de travail comme vous le souhaitez. Alors regardez, j'ouvre cette fenêtre banana. J'affiche le code de la fenêtre. Alors dans la barre de navigation, je clique sur l'onglet code. Je glisse à droite de l'écran. Et vous le voyez, banana split. Bon, dans la doc, ils sont moins fun, ils ont appelé ça le multizone. Moi, je préfère banana split. Et vous pouvez continuer. Regardez, j'ouvre une autre fenêtre de code. Elle aussi, je la split et je la positionne à côté. Alors quand l'affichage est splitté, eh bien, vous pouvez adapter la taille de chaque zone selon vos besoins, surtout selon la taille de votre écran. Vous faites ce que vous voulez. Avec ce nouveau mode d'organisation, travailler en même temps sur l'UI et le code d'une application, ça devient un jeu d'enfant. Vous pouvez aussi visualiser en même temps deux fenêtres différentes. Ça se pratique quand vous voulez faire des copier-coller de champs. Et ça marche aussi pour vos pages web. Vous pouvez afficher deux tranches de la même page responsive. Très pratique pour la mise au point. Bon, il y a une autre nouveauté de l'éditeur dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle barre de documents. Alors, vous le voyez, elle est passée en haut. Et il y a également maintenant une barre de documents par zone d'affichage. Alors, au niveau ergonomie, ça fait moins de déplacements souris, vous gagnez du temps. Votre souris, elle est moins fatiguée le soir. Alors, la nouveauté que je vais vous montrer maintenant, moi, je ne peux plus m'en passer. Regardez, quand je travaille sur une fenêtre ou sur une page, moi, je suis tout le temps en train d'alterner entre le volet des champs et le volet des alignements. Et bien, en version 26, je peux détacher un ou des volets de l'environnement. Alors, moi, je détache souvent le volet des alignements, je le mets sur mon deuxième écran, comme ça, il est toujours accessible. Ça, c'est vraiment pratique. Dans l'éditeur de fenêtres aussi, vous avez des nouveautés bien sympathiques. En version 26, vous pouvez maintenant définir les marges et les règles en saisissant la valeur numérique directement. Ici, je veux 30 pixels, j'ai 30 pixels, pas 29 ou 31. Alors, ça paraît un détail, mais si vous devez respecter une norme stricte pour les interfaces, bah, ça évite de galérer à positionner la marge à la souris. Vous savez le « Oups, j'étais un pixel trop loin » ou « Ah mince, c'est 5 pixels pas assez bah, ». Vous voyez ce que je veux dire, ça nous est tous déjà arrivé. Une autre nouveauté, toujours pour vos interfaces, toujours sur les marges. En version 26, vous pouvez maintenant surcharger les marges qui viennent d'un modèle. C'est pratique. Toujours sur les fenêtres, une nouveauté de programmation cette fois. En version 26, les fenêtres bénéficient d'un nouveau traitement. Le traitement autorisation de fermeture de la fenêtre. Ce traitement, il est appelé juste avant la fermeture de la fenêtre. Elle permet d'annuler la fermeture de la fenêtre en cas de besoin. Tiens, tant qu'on parle d'UI, vous le savez, avec WinDev, vous créez facilement des applications stylées. Et bien en version 26, la gestion des styles dans WinDev s'améliore drastiquement. Dans WinDev, et également dans WebDev et dans WinDev Mobile aussi. Hein. Alors, deux nouveautés qui vont vous changer la vie. La première, vous pouvez maintenant avoir plusieurs feuilles de style par projet. Ça vous permet de mieux organiser vos styles et ça marche dans vos projets WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Alors ici, par exemple, j'ai organisé les styles en deux feuilles de style différentes. Une feuille partie client. Alors ça, je l'utilise dans tout le front-end de l'application. C'est tous les styles qui sont utilisés dans le front-end. Et une feuille administration, ça c'est tous les styles qui sont utilisés dans le back-end. Et bien sûr, dans la fenêtre de sélection de styles, vous pouvez maintenant filtrer par feuille de style. C'est pratique. Toujours pour les styles, autre nouveauté en version 26, vous pouvez maintenant partager une feuille de style entre plusieurs projets. Ça facilite le partage de la charte graphique de l'entreprise. Allez, changeons de sujet, on va maintenant parler des audits. Alors vous le savez, WinDev propose en standard deux types d'audits. Il y a l'audit statique, qui analyse les sources de votre projet, et l'audit dynamique qui analyse l'exécution de votre application. En version 26, les audits ont évolué pour détecter encore plus de problèmes potentiels. Je vous montre.
je lance l'audit statique sur ce projet. Alors, par exemple, l'audit statique, il vous signale désormais les dépendances manquantes dans votre projet. Bibliothèque externe, description JSON, XML, vous le voyez ici. Et en plus des audits, bien vous avez aussi les erreurs de normes de programmation qui vous aident à garder un code source le plus clean possible. En version 26, il y a une nouvelle erreur de normes de programmation. Windows 26 détecte l'utilisation des threads non sécurisés et vous indique les modifications à apporter à votre code. Parlons maintenant des états. Alors vous le savez, Windows est livré en standard avec un éditeur d'état, un éditeur de report complet. Cet éditeur d'état évolue en version 26. Première nouveauté de l'éditeur d'état, c'est un nouveau champ. C'est le champ jauge. Vous pouvez maintenant mettre des jauges dans vos états. Alors vous voyez ici le champ jauge en édition. On fait go. Et le voilà en exécution. Vos reports sont encore plus visuels en version 26. Vous pouvez faire des jauges horizontales, des jauges circulaires. Et au niveau programmation, c'est un champ jauge. Donc pour vous, c'est facile. Deuxième nouveauté de l'éditeur d'état que je voulais vous montrer, l'état Gantt a évolué pour encore plus de lisibilité. Alors l'état Gantt vous permet de visualiser un diagramme de Gantt, très utilisé dans la gestion de planning. Dans les anciennes versions, l'état Gantt était fait pour être imprimé sur du papier et les pages collées ensemble. En version 26, vous pouvez lire n'importe quelle page de manière indépendante. En début de chaque ligne, vous avez le nom de la ressource, le libd de la tâche et le nombre de jours de planning. Et ces éléments sont rappelés sur chaque page. Tout reste compréhensible. Passez en version 26, recompilez et vos états Gantt sont plus lisibles. Allez, parlons maintenant du source control de Windev, du GDS. Vous êtes 72% à utiliser le GDS tous les jours pour sécuriser vos sources. Alors si vous ne l'utilisez pas encore, pensez à tout ce qu'il peut vous apporter. L'historique des modifications, la sauvegarde automatique, le partage d'éléments entre projets facilités, les branches, le merge, la fusion automatique des modifications, et lorsque vous travaillez en équipe, la gestion des droits. Et en plus, en version 26, il y a trois belles nouveautés. Alors la première, ça concerne la récupération des éléments depuis le GDS. S'il y a des éléments qui proviennent d'un composant interne, il y a maintenant une vue arborescente pour présenter des éléments à mettre à jour. Regardez, je clique sur « Tout récupérer » et je vois qu'il y a eu des modifications sur le composant interne « Validation adresse ». Je déroule. Et je vois le détail, la collection de procédures adresse postale et la requête adresse exacte ont été modifiées. En version 26, je vois plus clairement quels éléments sont mis à jour. Autre nouveauté du GDS qui va vous servir très régulièrement, en version 26, lorsque vous créez une branche, la branche est créée avec tout l'historique des éléments. Quand vous êtes dans une branche, eh bien vous pouvez voir l'historique d'un élément, même avant la création de la branche. Cette nouveauté, quand vous travaillez avec des branches, vous verrez, c'est indispensable. Autre nouveauté du GDS, lors de la réintégration, vous pouvez automatiquement lancer des tests auto, créer l'install de votre application et ainsi de suite. En fait, lancer un plan d'action d'intégration continue dans la fabrique logicielle. La fabrique logicielle, je vous rappelle, c'est l'outil d'intégration continue qui est livré en standard avec Windev. Alors dans la fabrique, vous définissez un plan d'action. Plan d'action, en fait, c'est la liste des actions à effectuer, donc recompiler le projet, passer les tests, créer l'installation, etc. Et ensuite, la fabrique logicielle les rejoue automatiquement, autant que vous voulez. Alors pour associer un plan d'action à votre projet, c'est facile, ça se fait dans l'administrateur du GDS. Clic droit sur le projet, politique de réintégration, plan d'action, et vous cochez la case « Exécuter un plan d'action à la réintégration ». En version 26, vous mettez en place une intégration continue très facilement. On reste dans le domaine de la gestion des sources. Je change de projet. Alors vous le savez, avec Windev, vous pouvez aussi utiliser Git comme source contrôle. Eh bien, en version 26, vous avez maintenant un volet Git dans le ruban. C'est encore plus facile. Le volet Git, il vous permet d'effectuer toutes les opérations essentielles. Pull, commit, push. Bref, vous faites toutes les opérations courantes de Git directement depuis Windev. Plus besoin de taper des lignes de commande. Je reviens sur le sujet de l'intégration continue. En version 26, il y a aussi des nouveautés pour la fabrique logicielle. Alors, en version 26, il y a trois nouvelles actions. Déjà, une nouvelle action que j'attendais avec impatience, c'est le déploiement de site. Je vous montre. Vous la prenez dans la liste à gauche, déploiement de site. Vous la dropez dans le plan d'action. Et ensuite, dans la description de l'action, il suffit de spécifier le profil de déploiement à utiliser. En un clic, directement dans votre process d'intégration continue, vous déployez vos sites. Et ça marche aussi avec les web services. Autre nouveauté de la fabrique dont je voulais vous parler, vous pouvez désactiver une action de manière temporaire. Donc c'est ici, clic droit, désactiver.
Ça permet de désactiver l'action, mais sans perdre son paramétrage. C'est très pratique pour le débugage de vos plans d'action. Autre nouveauté de la fabrique en version 26, il est possible de désactiver les erreurs de normes de programmation pour qu'elles n'interrompent plus l'exécution du plan d'action. Les erreurs de normes de programmation, c'est par exemple les erreurs causées par l'utilisation d'une rubrique zombie. Et puis pour le déploiement de vos applications Windel, il y a aussi une belle nouveauté en version 26. Si vous avez une mise à jour urgente en cours de journée, eh bien vous pouvez maintenant prévenir directement les utilisateurs en cours d'utilisation. Atos leur propose la mise à jour directement dans leur appli. Voilà, vous venez de découvrir 21 nouveautés de l'environnement de la version 26. Cette version 26, il vous la faut. On change de sujet. On va maintenant parler du web et des nouveautés de WebDev 26. Alors je vais commencer par une nouveauté. Elle ne fait pas repousser les cheveux, mais elle vous évite de vous les arracher. Vous le savez, le gros avantage avec WebDev, c'est que vous posez vos champs dans la page, c'est visible. Alors pour ça, WebDev, il a des algos évolués de positionnement des champs. Et il y a des cas où WebDev ne peut pas deviner ce que vous voulez faire. Et ce qui est affiché à l'exécution n'est pas ce que vous attendiez. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi. Alors en version 26, vous allez comprendre et vous saurez quoi faire pour que les champs ils aillent exactement où vous voulez. Allez, je vous montre un cas sur un exemple didactique. Regardez dans cette page. J'ai placé un libellé qui est rempli par programmation et deux boutons l'un au-dessus de l'autre. C'est ce que je veux au final dans ma page. Je fais go. Alors moi, je voulais que les deux boutons ils restent à leur place, en haut à droite. Pourquoi le deuxième bouton il s'est décalé vers le bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens en édition et je vous montre comment la 26 elle vous aide à comprendre ce qui se passe. Alors dans le ruban, dans le volet affichage, je clique sur la nouvelle option arbre de positionnement. WebDev ouvre une fenêtre. Alors cette fenêtre elle affiche tout l'arbre de positionnement de la page. Les champs, les espaces entre les champs, comment ils sont groupés, horizontalement pour ceux qui sont sur la même ligne ou verticalement. Et quand je survole l'arbre de positionnement, eh bien l'élément survolé est mis en évidence dans la page. C'est la zone bleue que vous voyez à droite. Alors du coup, regardez, ce qui me pose problème, c'est le deuxième bouton. Je clique dessus, ça le sélectionne dans l'arbre de positionnement. Donc dans l'arbre de positionnement, eh bien, je vois que le bouton imprimer fait partie d'un bloc horizontal. Et si je regarde le bouton copier, il fait partie d'un autre bloc horizontal qui contient aussi le libellé. Voilà pourquoi ça pousse. Parce que quand le libellé s'agrandit, le bloc horizontal du haut s'agrandit et il pousse le bloc horizontal du bas. C'est pour ça que le bouton imprimer se décale. Bon, j'ai compris. Maintenant, comment je change le comportement? C'est facile. Il suffit de mettre les deux boutons dans une cellule, comme ça ils resteront ensemble. Ouais, c'est vrai que souvent quand on est dans une cellule, on reste ensemble. Je sélectionne les deux boutons, clic droit, refactoring, créer un champ cellule avec la sélection. Alors vous le voyez, l'arbre de positionnement se met à jour en temps réel. Je refais go. Et voilà, maintenant le deuxième bouton reste bien positionné. Alors, on vous l'avait dit, cette nouveauté ne fait pas repousser les cheveux, mais elle vous évite de vous les arracher. En version 26, le WYSIWYG est encore plus performant. L'éditeur de page de la version 26, il est là pour vous faciliter la tâche, pour vous simplifier la vie. Vous aussi, passez en 26. Alors, parmi les autres nouveautés de l'éditeur de page de la version 26, il y en a une pour les sites mobile friendly. Maintenant, dans les agencements, vous pouvez utiliser le champ barre de navigation. Regardez, dans cette page, j'ai deux agencements, PC et smartphone. Dans l'agencement PC, la barre de navigation est en mode étendue, elle affiche le menu complet. Et dans l'agencement smartphone, eh bien, elle est en mode compact, elle affiche le menu burger. On continue avec une nouveauté pour le champ disposition. Alors dans cette page, on a utilisé un champ disposition pour afficher les infos du produit. Il est ici. Vous le savez, le champ disposition il est composé de cellules. Et à l'exécution, la hauteur des cellules elle s'adapte automatiquement à leur contenu. Quand la cellule est vide, le champ disposition cache la cellule. Alors, mais des fois, c'était moche parce que les contenus ils se touchaient. En version 26, vous pouvez forcer les cellules à respecter la distanciation physique. Vous définissez une hauteur minimum pour chaque ligne du champ disposition. Comme ça, vos interfaces elles sont toujours aérées. Et il y a encore plein d'autres nouveautés dans l'éditeur de page de la version 26. En version 26, vous pouvez maintenant déplacer un groupe de champs, même s'il contient des champs issus d'un modèle. Les champs issus du modèle sont ignorés. Le déploiement d'un site dans PCS Cloud, ça se fait en un clic en version 26. Il y a une option spécifique pour ça.
Quand la couleur de fond de la page et la couleur de fond du navigateur sont identiques, le cadre de la page est matérialisé par un filet visible. En version 26, quand vous modifiez une image à l'extérieur de WebDev, sous Photoshop par exemple, l'éditeur de page se met à jour en temps réel. L'éditeur de palette de la version 26 propose une pipette pour sélectionner facilement les couleurs. Et puis en version 26, il y a aussi plein de nouveautés WLangage pour le code navigateur. Une nouvelle fonction, Select Couleur, c'est un sélecteur de couleurs en code navigateur. C'est vrai que c'est pratique d'avoir directement une fonction. Toujours en code navigateur, vous disposez maintenant du type Buffer, très utile si vous devez manipuler des données binaires en code navigateur. Une fonction que vous nous avez demandé fait son apparition, Cookie Supprime. En code serveur ou en code navigateur, il ne restera aucune miette. Pour Ajax, il y a aussi des nouveautés. Les variables synchronisées sont maintenant utilisables avec la fonction Ajax Execute. Et il y a aussi la nouvelle fonction Appel Ajax en cours qui permet de savoir en code serveur si le traitement en cours est appelé en Ajax. Alors, moi je m'en sers dans le code limite des pages, je remplis pas les champs si je suis sur un appel Ajax, ça va plus vite. Alors d'ailleurs, en parlant d'optimisation, en version 26, le serveur d'application est deux fois plus rapide. La version 26 utilise pour cela la technologie Fast CGI. Et en plus, grâce à cette nouveauté, le serveur d'application WebDev est encore plus robuste. Lors d'une montée en charge, les performances restent stables. Autre optimisation en version 26, le déploiement des sites est jusqu'à 3 fois plus rapide pour les sites de taille importante. Et puis une nouveauté pour vos sites en mode session, vous pouvez filtrer les requêtes HTTP avant qu'elles ne soient exécutées. Pour ça, WebDev 26 vous propose une nouvelle fonctionnalité, le prologue d'exécution. Alors le prologue d'exécution, c'est une procédure qui est appelée, qui est exécutée avant chaque requête au serveur. Le prologue peut autoriser ou interdire la requête. Alors, ça peut servir par exemple à facturer l'utilisation d'un service à la requête ou encore pour filtrer des requêtes louches par exemple. Et puis une simplification pour l'administration de vos serveurs d'application WebDev, les outils WDCompte et le centre de contrôle d'hébergement ont été fusionnés et simplifiés. C'est toujours bon à prendre. En version 26, quand un internaute ferme son navigateur, les ressources sur le serveur sont libérées immédiatement. WebDev 26 propose pour ça un mécanisme de heartbeat. Plus d'ouverture, plus de facilité, plus de performance. Cette version 26 de WebDev, c'est un concentré de superlatifs à votre service. WebDev 26, il est fait pour vous. Allez, on va maintenant parler d'un sujet que vous attendez tous, les nouveautés du WLangage. La première nouveauté du WLangage en version 26 qu'on voulait vous montrer, c'est les variables locales. Alors une variable locale, c'est une variable globale à un champ. Je vous montre. Ici, j'ai un champ de table, j'affiche son code. La variable ligne survolée, c'est une variable locale. Elle est globale au champ de table. Je la déclare dans l'initialisation du champ avec le mot-clé global. Alors oui, en fait, local, c'est un surnom. En vrai, on a gardé le mot-clé global. Et cette variable, ben, je peux m'en servir dans tous les traitements de ce champ. Et uniquement de ce champ. Alors ici, vous le voyez ici, en fait, elle sert à garder le numéro de la ligne qui est survolée pour ne pas avoir à recalculer la bulle de survol tant que l'utilisateur ne change pas de ligne. Alors l'avantage de ce type de variable, bah, tout le code du champ est dans le champ, c'est plus lisible. Autre avantage, si je copie ce champ dans une autre fenêtre ou que je crée un modèle à partir de ce champ, ça marche directement. Et puis, si j'ai deux champs tables qui ont le même code dans la même fenêtre, ben, elles ont chacune leur variable. Et les glocales, c'est même encore plus puissant que ça. Dans les champs de la version 26, vous pouvez déclarer des variables locales et aussi des procédures locales. Ici, la procédure qui calcule la bulle de survol, elle est dans le champ. Comme ça, quand je copie le champ dans un autre projet, ça marche directement. Et vous avez aussi des propriétés locales. Comme ça, ben, vous ajoutez les propriétés que vous voulez sur vos champs. Et encore plus fort, vous pouvez même surcharger les propriétés du WLangage. Par exemple, bah, vous pouvez surcharger la propriété bulle, par exemple, pour ajouter un lien vers la doc dans toutes les bulles. Avec les glocales, vous pouvez faire des champs hyper évolués qui contiennent tous les éléments qui sont nécessaires à leur fonctionnement et qui sont donc facilement réutilisables. Autre nouveauté du WLangage qui concerne la connexion à un serveur de mail. Alors c'est une nouveauté essentielle aujourd'hui. En version 26, vos applications peuvent se connecter facilement un serveur de mail protégé par une double authentification. Ça veut dire les comptes Gmail, Office 365, Yahoo, Apple, en fait tous les serveurs de mail qui gèrent une double authentification qui est basée sur le protocole OAuth.
Alors pour vous, c'est facile. Dans la variable email session imap, vous avez une nouvelle propriété hôte token. Il suffit de renseigner cette propriété avec un token hôte valide pour le compte. Alors ce token, vous l'obtenez facilement en WB langage avec la fonction hôte identifié. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de hôte, en version 26, c'est nouveau, vous pouvez renouveler automatiquement un token hôte expiré. Ça se fait avec la nouvelle fonction WLangage, autre nouvelle token. En version 26, les variables de type thread évoluent. Vous pouvez maintenant récupérer la valeur envoyée par une procédure qui a été exécutée dans un thread. Vous utilisez pour ça la nouvelle propriété valeur envoyée du type thread. Donc ça vous évite de déclarer une variable globale pour récupérer la valeur. Allez, les classes maintenant. En version 26, vous pouvez définir un type spécial de méthode dans une classe. C'est les méthodes de comparaison, comme celle-ci, qui compare deux objets maison. Alors, ici dans notre appli, on a choisi de comparer les maisons par superficie. Pour définir une méthode de comparaison, vous le voyez, il suffit d'utiliser le nouvel attribut comparaison. Avec la méthode de comparaison, le tri d'un tableau de maison, ça se fait simplement avec maison à vendre.tri. Vous le voyez ici. Ou ça se fait aussi avec la fonction tableau tri de maison à vendre, bien sûr. Et puis, si vous avez défini une méthode de comparaison sur une classe, eh bien, vous pouvez utiliser directement les opérateurs égal, inférieur, supérieur et différent pour comparer deux objets. C'est plus concis. Toujours dans le domaine de l'APO, une petite nouveauté, mais j'en connais qui vont apprécier. En version 26, vous pouvez maintenant passer une méthode à une fonction qui attend une callback. Je vous montre un exemple. Ici, dans ce traitement, j'utilise la fonction WLangage fListFichier. Je passe comme callback la méthode sur fichier trouvé de l'objet mon répertoire qui est déclaré ici juste au-dessus. Comme ça, fListFichier appelle la méthode de cet objet. Dans la callback, j'ai accès au membre de l'objet. Parlons maintenant des web services. Alors déjà en version 26, l'appel de web service est plus rapide. Et oui, Windows 26 supporte le protocole HTTP2 qui est plus rapide. Et pour vous, vous avez juste à recompiler en version 26 et vos applications sont plus rapides. Autre nouveauté, toujours sur les web services, en version 26, vous faites des appels de web services de façon asynchrone très facilement. Pour les web services SOAP, il suffit d'utiliser les nouveaux mots-clés après et faire, comme ici. Alors, récupère nombre commande, c'est une fonction d'un web service SOAP. Elle sera appelée de façon asynchrone, c'est-à-dire que le programme continue de s'exécuter pendant que l'appel est en cours. Alors, pendant l'appel du web service, l'application elle exécute le code qui est ici, après le fin. Et quand le web service renvoie le résultat, bien le WLangage l'affecte dans la variable NBCommand et ensuite il exécute le code qui se trouve dans le fer. Et pour les web services REST, eh bien, il suffit de passer une callback lors de l'appel à envoi, comme ici. Avec ces nouveautés, vous faites de l'asynchrone facilement, vos UI sont plus fluides. Allez, maintenant une petite nouveauté pratique. En version 26, vous pouvez comparer directement une variable de type buffer avec un tableau d'entier. Ça manquait, maintenant c'est dispo. Et puis la version 26, elle amène son lot d'évolutions pour la gestion des zip. Déjà, la version 26, elle supporte maintenant le format d'archive TARGZ. Ce format, il est très utilisé par GitHub. Autre nouveauté, la nouvelle fonction WLangage ZipFiltre. Cette fonction vous renvoie la liste de tous les types d'archives supportées par le WLangage. Vous la passez directement à fSelector et le sélecteur de fichiers proposera automatiquement tous les fichiers au format géré par la version WinDev utilisée pour compiler. Autre nouveauté pour les zip, la nouvelle fonction zip sélection fichier. Cette fonction, elle vous permet de spécifier quel fichier vous voulez traiter dans un zip. Alors par exemple, zip sélection fichier étoile.jpeg, zip extrait tout, et ça extrait tous les JPEG. Encore une nouvelle fonction, zip extrait répertoire. Elle, comme son nom l'indique, elle permet d'extraire l'ensemble d'un répertoire en un seul appel. Une autre nouveauté du WLangage, alors ça nous est tous déjà arrivé, vous avez un interrupteur avec plusieurs options et vous insérez une option supplémentaire. Bah, du coup, il faut penser à mettre à jour tout le code pour décaler tous les indices. Ça nous est tous déjà arrivé. Et bien en version 26, c'est fini. Vous éliminez cette source de bug. Vous pouvez maintenant accéder aux options dans l'interrupteur directement. Chaque option de l'interrupteur, c'est un champ. Regardez, je vous montre, vous définissez son nom dans l'asset onglet, donc dans l'onglet contenu. Donc là, j'ai une option qui s'appelle entrée, plat et dessert. C'est mes trois options, les trois valeurs possibles. Et si j'insère une option fromage après le plat? Ah, moi j'aurais plutôt inséré un trou normand après le plat. Mais on peut garder le fromage quand même. Ok, même si vous insérez deux options, le code, il marche toujours. Je ne suis pas obligé de décaler les indices. C'est génial, il n'y a plus d'erreur de décalage d'indices.
Et cette nouveauté, elle marche avec les champs sélecteurs et les volets dans les champs onglets aussi. Le W-Langage, vous le savez, c'est un langage clair et puissant qui vous aide au quotidien à produire le meilleur. C'est votre langage. Et chaque année, votre langage, il évolue pour que vous soyez encore plus performant. Alors, on va maintenant reparler de WinDev Mobile et plus particulièrement des nouveautés d'édition et de débugage pour vos applications Android. Alors, vous le savez tous, avec WinDev Mobile, vous pouvez très facilement mettre au point vos applications iOS et Android. Là, on va parler d'Android. Avec WinDev Mobile, vous débuguez soit dans le simulateur de WinDev Mobile, soit directement sur le device connecté à votre PC. Mais des fois, on a besoin de débuguer dans des conditions très particulières. Tiens, par exemple, une fois, on m'a signalé un bug d'affichage dans une de mes applis. Alors, sur un Pixel 3, sous Android 10, en slovène. Alors moi, en slovène, j'ai eu 5 au bac. Attends, Manu, tu parles le slovène, toi ? Bah non, c'est ce que je viens de te dire, j'ai eu 5 au bac. Ah. Alors, pour un cas comme ça, vous vous doutez bien que vous n'allez pas acheter un téléphone spécifique juste pour tester. Ouais, et puis en plus, tu pourras même pas le mettre en slovène, vu que t'as eu 5 au bac. Eh bien, en version 26, c'est nouveau, vous pouvez tester et débugger en utilisant l'émulateur Android de Google. Alors, cet émulateur, il est livré dans le SDK Android. Alors, regardez, j'ai lancé l'émulateur du Pixel 3, le voici, sous Android 10, en slovène. Donc aujourd'hui, on est... ça se prononce pas. C'est Rich. Dans WinDev Mobile, je clique sur « Débugger » sur l'appareil mobile, ici. Et c'est tout. WinDev Mobile génère le projet et le lance sur l'émulateur. Alors cet émulateur, il se comporte comme un smartphone. Et l'avantage, c'est que vous pouvez changer tous les paramètres d'environnement. La langue d'affichage, la position GPS, la qualité du réseau, etc. Cette nouveauté, ça ouvre des possibilités de test et de débugage infinis pour vos applications. Et voilà mon appli sur l'émulateur. Ben, j'aurai plus qu'à débugger. Et sur l'émulateur, c'est comme avec un vrai téléphone, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du débugger. Une autre nouveauté de la version 26 qui va beaucoup vous aider dans la mise au point de vos applications, c'est le centre de contrôle du téléphone Android, ou de la tablette Android. Je vous montre. Vous lancez le centre de contrôle directement depuis WinDev, avec son icône ici dans le ruban. Le voilà. Alors, le centre de contrôle, il détecte les périphériques Android connectés au PC. Ici, il voit mon émulateur. Et dans les informations générales, vous retrouvez la version d'Android de l'appareil, la résolution de l'écran, le numéro de série. L'onglet suivant, c'est la trace du débugger des applis W-Langage en temps réel. Vous choisissez l'application dont vous voulez voir les traces. Ensuite, dans l'onglet Logcat, vous pouvez suivre directement les logs du système Android. Alors ça, c'est très pratique si vous vous interfacez avec des librairies externes, puisque c'est là qu'elles afficheront leurs logs. Une autre fonction super pratique, c'est l'onglet Capture. Il a été inspiré par Renault, celui-là, non ? Pourquoi tu dis ça ? Non, Manu, laisse béton. En un clic, vous créez des captures d'écran ou des vidéos de vos applications pour votre site web ou pour le store. Donc vous pouvez faire des copies d'écran de la version tablette de votre appli, même quand vous n'avez pas une tablette sous la main. C'est vrai que c'est un peu encombrant d'avoir une tablette sous la main en fait. Ensuite, vous avez un onglet Applications. Dans cet onglet, vous voyez les applis WinDev Mobile installées sur le téléphone. Vous pouvez en installer des nouvelles, vous pouvez les désinstaller, les démarrer, les arrêter et même vérifier les permissions des applications. Et enfin, super pratique, vous avez un explorateur pour accéder directement à tous les fichiers du téléphone depuis votre PC. Alors, grâce à l'explorateur, vous voyez directement les fichiers de votre application sur le téléphone. Vous pouvez copier des fichiers depuis le PC vers le téléphone et depuis le téléphone vers le PC. Le centre de contrôle du téléphone Android, c'est votre nouvel allié incontournable dans vos développements. Alors, en parlant de développement Android, vous savez que depuis quelques années maintenant, Microsoft a annoncé qu'ils abandonnaient Windows 7. Donc le marché industriel s'est réorienté vers Android. Et le leader sur ce marché, c'est le constructeur Zebra. Via la version 26 de WinDev Mobile vous offre deux nouveaux composants pour les matériels Zebra. Un composant RFID et un composant de pilotage des paramètres du terminal. Puis la version 26, c'est aussi de nouvelles évolutions du compilateur pour un code toujours plus compatible entre les différentes plateformes. Par exemple, en 26, vous pouvez utiliser l'inférence de type en Android. Et puis, il y a tout un tas d'autres nouveautés qui facilitent le code multiplateforme. Les procédures multisyntaxes, toutes les fonctions de manipulation du JSON dans les tables, dans les bases HFSQL, le type toast, le type zip archive, 8 nouveaux algorithmes de hachage,
les attributs de compilation pour l'architecture MVP. Et puis surtout ma préférée, toutes les syntaxes de comparaison de chaînes. Toutes ces nouveautés, elles vous permettent d'avoir le même code sous Windows, sous Linux, sous Mac, sous iOS et sous Android. Et puis il y a aussi des nouveautés pour ceux d'entre vous qui utilisent du code Java dans leurs applications Android. En version 26, vous pouvez inclure directement des classes écrites en Java dans votre projet WinDev. Vous incluez vos fichiers Java, le code est compilé en même temps que l'application WinDev Mobile, et donc intégré dans le bundle. C'est la classe. Une autre nouveauté qui va vous faciliter la vie quand vous utilisez du code Java, vous pouvez appeler une procédure globale de votre projet directement depuis le code Java. Il suffit d'utiliser le nouvel attribut Java. Et puis, dernière nouveauté Android dont je voulais vous parler, c'est une nouveauté que vous avez été nombreux à nous demander, que Android ne ferme plus vos applications qui sont en arrière-plan. Alors, oui, vous le savez, pour économiser la batterie, le système Android peut décider tout seul de terminer les applis qui sont en arrière-plan. Eh bien, en version 26, vous pouvez indiquer à Android de ne pas terminer votre appli qui est en arrière-plan. Donc la fonction, c'est sysoptim batterie arrière-plan. En version 26, le développement Android s'enrichit encore. Il est plus facile, le multiplateforme est encore plus large, les syntaxes sont plus riches. Vos applications Android développées avec WinDev Mobile 26 sont encore plus évoluées. La version 26, il vous la faut. Alors je vous propose maintenant de voir 10 nouveautés de plus du W-Langage. C'est l'heure du vrac. Allez, première nouveauté, c'est des nouvelles fonctions sur les tableaux. Il y a tableau intersection qui calcule l'intersection de deux tableaux, c'est-à-dire les éléments qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Par exemple, vous avez les clients de Paris, les clients VIP, ben, l'intersection c'est les clients VIP de Paris. Sur les tableaux, vous avez aussi tableau distinct qui supprime les doublons, pratique, et tableau union qui fusionne deux tableaux en supprimant les doublons. Ces trois fonctions, elles vont vous économiser un paquet de code. Deuxième nouveauté, c'est le mot-clé mon champ. Alors ce mot-clé, il retourne le champ en cours, très pratique pour faire un code générique qui manipule l'UI de l'application. Comme ici, on récupère le champ avec le mot-clé mon champ. On continue avec une nouveauté pour les expressions régulières. En version 26, les expressions régulières du W-Langage supportent maintenant les chaînes Unicode. Je peux m'en servir dans mon appli de généalogie pour mes ancêtres indiens. Une nouveauté sur la manipulation de chaînes. Vous connaissez tous la fonction remplace. Vous pouvez rechercher une chaîne et la remplacer par une chaîne. Vous pouvez rechercher une liste de chaînes et toutes les remplacer par une chaîne. Et bien en version 26, vous pouvez fournir deux tableaux. Un tableau des chaînes à rechercher et un tableau des chaînes de remplacement qui correspondent. Si on trouve la première chaîne, on remplace par la première. Si on trouve la deuxième chaîne, on remplace par la deuxième et ainsi de suite. Avec cette nouvelle syntaxe, votre code est plus concis et plus rapide. On continue avec une nouvelle fonction, F insert texte au début. Comme son nom l'indique, elle permet d'insérer du texte au début d'un fichier existant. La pratique pour faire un fichier log avec les entrées les plus récentes au début. Une petite fonction bien pratique, alors vous connaissez DateVersion, vous connaissez HeureVersion, en 26 on complète la famille avec DateHeureVersion. Une nouveauté pour le traitement des zip, en version 26, il est possible d'annuler une extraction en cours. Il suffit de renvoyer faux dans la callback de la fonction zipExtract. Autre nouveauté, alors c'est un nouveau paramètre pour la fonction ExceptionChangeParamètre. Exception change paramètre, je vous rappelle, elle permet de spécifier le comportement du W-Langage en cas d'erreur fatale. Est-ce qu'il faut arrêter l'appli, ouvrir une fenêtre, exécuter un traitement spécifique? Mais jusqu'ici, exception change paramètre, elle n'affectait que le traitement en cours. En version 26, c'est nouveau. Avec le flag EP exécute procédure générale, exception change paramètre peut affecter globalement tous les traitements de l'application. Vous avez déjà eu besoin de générer un texte de remplissage. Pour essayer une mise en page d'état, simuler des données, vous n'avez pas encore vérifié qu'un ancrage se comporte comme prévu. En version 26, la nouvelle fonction GénéreLorem vous aide. Vous avez juste à lui donner le nombre de mots que vous voulez et elle vous pond un best-seller à tous les coups. Petite amélioration de la fonction position, mais qui m'a fait super plaisir, quand vous fournissez un tableau de chaînes à rechercher, comme on a fait ici, en version 26, la fonction position vous indique non seulement la position qui a été trouvée, et en plus, elle vous dit quelle chaîne a été trouvée. Vous n'avez plus besoin de reparcourir la chaîne pour le savoir. Ça économise tellement de code. Le W-Langage, vous l'utilisez tous les jours. Dans chaque version, il s'enrichit de nouveautés qui vous aident au quotidien.
Chaque nouveauté pour vous, c'est du temps de gagner. Pour gagner du temps, passez dès maintenant en version 26. Regardez vos applications en version 26. Elles sont belles. Elles sont riches. Elles sont dynamiques. Elles sont performantes. Vos applications n'attendent qu'une seule chose. Passez en version 26. Et bien voilà, cette troisième keynote est terminée. C'est la conclusion de ce WinDev Tour 26 en mode online. J'espère que ça vous a plu. Alors, je veux tous vous remercier de nous avoir suivis sur ces trois jours. Je vous souhaite de vous régaler avec votre version 26. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Merci à tous, bon après-midi et à bientôt.